Ça, c'est OK. Donc, hey, bienvenue dans mon live. Je vous préviens tout de suite, ça va être plutôt long. Si vous regardez en rediffusion, donc sur YouTube, je sais pas si je le posterai d'ailleurs. Bref, dans mon live ou dans votre rediffusion, il y aura 3 ou 4 parties. Première partie un peu ennuyante, je pense. Oh, je vais vous présenter juste mon sac d'école, donc une partie qui durera 30 secondes, sur ça. Deuxième partie, je vous présente 10 objets. 8 objets. Et bah la troisième, je répondrai à vos questions, donc en rediffusant, je sais pas si ça va être très très cool ou pas. Parce que, tout simplement... Parce que vous verrez pas les questions passer. Attendez, c'est qui me stresse, donc on le met. Et la quatrième, je pense, je vous montrerai mon dehors. Je sais pas encore. Ah, les berries, elles sont pas berries. Aucun placement de produit, c'est parce que j'aime trop la Rizona. Du coup, je vais vous le partager. Bon, en tout petit, on va commencer par mon sac d'école. Donc, cette année, je rentre en 6ème et j'ai choisi un ISPAC rose, un rose pâle qui peut contenir plusieurs classeurs. Vous voyez, c'est vraiment bien. J'aime trop cette couleur. Genre, problème entre nous. Par contre, la matière, je m'attendais à un truc tout lisse. On dirait qu'il est lisse, mais genre, on voit trop les détails. Bref, ça c'est qu'un petit détail. Avec les sangles noirs, c'est exactement ce que je voulais. Bon, par contre, ça, j'aurais aimé que ce soit noir aussi, mais bon, faut pas tout avoir dans la vie. Voilà, genre, j'aime trop les ISPAC. D'accord. Par contre, les sangles sont juste un peu trop longues et un peu trop hautes. Donc, je devrais le faire un peu. C'est juste un peu trop long et un peu remonté. Je sais pas ce qu'elles ont. Bon, c'est le début, hein, vous voyez. Genre, j'aime trop, trop, trop. D'accord, il y a un truc qui a volé. Ah, du sac qui a volé, je pense. Rien que là, ça va déjà mieux. Bon, par contre, il n'y a rien à l'intérieur parce que j'ai pas encore fait les cours scolaires. On est le 21 août. Ouais. Le 21 août. Donc, je vous ai dit, ça durait 30 secondes. Passons aux objets. Donc, il y a plusieurs objets que j'ai achetés à Paris ou ici. Parce que je n'habite pas à Paris. Hein. J'habite dans la région PACA. Provence-Alpes, Côte d'Azur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Donc, vous avez toujours eu, ou pas, en fait. Des hand spinners comme ça ou pas, donc qui tournent, enfin genre vous connaissez presque tout le concept. Si vous connaissez pas, je vais vous expliquer. C'est un truc, un petit truc à la base, c'est pour soulager les autistes. Bon, je me rapproche pour vous montrer qu'est-ce que c'est que ça, on ne sait pas. Donc oui, c'est un truc à 3 branches ou à 2 si vous en prenez un Batman. Il y a toutes les formes Batman, chauve-souris, enfin genre, ça revient au même. Hein. Il y a plein de formes, plein de couleurs, plein de motifs différents. Ah, ça va mieux. Normalement, ça a 3 branches et le but c'est de le faire tourner si on y arrive. Et ça doit soulager ou déstresser. Moi, j'en ai 1 milliard comme ça, mais par contre, j'en ai 2 différents. 2 qui sont dans des boîtes. Genre. Attendez, venez, je fais la miniature maintenant. Genre. Voilà, j'ai fait la miniature, normalement. Ouais, c'est le truc du sac qu'on volait, il y en a 2. Donc, 2 comme ça. Donc, c'est des hand spinner collector. Je vais me rapprocher pour vous les montrer. Un tour Eiffel et un capitaine. Donc, ils sont super fragiles. On va commencer par celui qui roule le mieux. Donc, dans chaque boîte, toujours une mousse, très épaisse ou pas. Hein.
J'aime trop faire ça avec la mousse, mais le problème c'est qu'il faut pas le faire. Bah, pour celui-là, vu que j'ai pris le capitaine en premier, c'est une toute petite boîte, voilà, comparée à l'autre. Il est couleur un peu microbe, genre, enfin, genre, j'aime trop cette couleur, genre couleur onde, vous voyez. Je vais faire comme les youtubeuses beauté, genre, Donc, il tourne juste trop bien. Ça fait des ondes, s'il vous plaît. Ça fait trop du bien. Parce qu'il y a plein de trucs. J'aime trop, trop, trop. C'est un collector. Donc, il a coûté 10 euros. Non, il a coûté 8 euros, celui-là. Au marché, tout simplement. Parce que les autres, ils coûtent entre 2 et 5 euros. Celui, il coûte entre 8 et 10 euros. Et l'autre, il a coûté donc 8 et lui 10. C'est Tour Eiffel. 3 Tours Eiffel qui est en forme. Qui est en forme 1. Donc j'ai pris cet exemple. Voilà. Là, c'est censé faire les pieds, ça, la grande tour. Ou comme ça. Tourne juste trop bien. Mais il n'est pas trop fait pour être tourné. Hein. À chaque fois, sur chaque truc, il y a marqué Eiffel Tower. Voilà. Si vous, la qualité baisse de mes vidéos, c'est parce que je filme avec mon iPhone. Alors, on n'avait pas mon téléphone. Parce que les lives, on ne peut pas les faire sur autre chose. Sauf sur les tablettes, mais bon, la qualité... pas ouf ouf. Donc fini pour les deux Hemsworth collector. On va passer au celui qui est presque vital en fait, genre presque pas. C'est des cubes comme ça, la 4. C'est des sambons pour ma chambre parce que dans ma chambre ça pue. Non, en fait c'est surtout parce que ma chambre est renfermée vu que je passe pas tout mon temps dans ma chambre. C'est soit dans ma chambre, soit dans la chambre de mon frère, soit dehors. Ou dans ma cuisine. Mais après, voilà. Donc, il y a un sambon au thé. Qui est à peu près comme ça. Un sambon à la rose. C'est tout ce savon de Marseille. Ça sent un peu pareil. Un savon... j'en ai deux à emballer. Ah, ça va, ça sent trop. Ah, j'ai failli m'étouffer, ça sent vraiment bon. Il y a un autre à la rose. Ah, le nez qui pique. Ah, en fait, ça, je l'accroche toujours, vous voyez. J'ai une étagère là et une étagère juste là. Regardez. Voilà. Et je les mets là. Je les mets juste ici, pour que ça sente bon dans ma chambre et je trouve ça trop cool. Passons au truc que j'ai acheté à Paris. Donc ça fait 4, 5, 6 et 7, 8. Et il me reste que 2 trucs à vous présenter. C'est triste. Donc, regarde qu'il y a. Ok. Donc, j'ai 2 trucs qui viennent de la Cité des Sciences qui sont genre juste. Donc, je sais pas pourquoi je fais ça. Commencer par le truc le moins bizarre. C'est vraiment un peu... En fait, c'est 3 plaques. Une plaque de vitre. Et 2 plaques comme ça qui soutiennent des clous. Ça se montre comme ça. Je sais pas bien montrer. C'est comme ça. Et en fait, ces clous sont tout doux. Quand on appuie dessus... ça fait une trace. Et jusque là, on peut faire des traces, mais on rentre partout. Genre. Est-ce que c'est mon visage, ça? Oh, c'est effrayant.
Et deux trous que vous voyez, deux trous qui vont rentrer dans le nez, c'est super horrible. J'ai un aussi gros trou de nez. Mon nez il est écrasé, vrai, voilà, c'est juste trop cool cette chose. Ah oui, les 100 bons, ça a coûté. Ben, je sais pas. Je sais pas où je les ai achetés. Oh là, oh là là. Ça, ça a dû coûter dans les alentours de 12 euros à peu près. C'est pas bien, je trouve. Vraiment. Je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans. Ou 5. Entre 5 et 6 ans. C'est normal. Il était à mon frère et mon frère me l'a passé. Depuis, voilà. En fait, j'adore passer ma main. Faire comme ça. C'est super chiant. Chut. Ils sont sérieux? Et je sais pas quoi dire. Il est cassé. Oui. Il est cassé là. Je l'avais mis au bord de mon lit là. Et je suis tombée du lit. Et là, si vous voyez, c'est pas du tout que j'ai mal fait mon lit. Là. C'est que là, c'est blanc, vous voyez. Moigné. Donc, là, il y a un trou. Ça s'est cassé. Du coup, c'est tout cassé. Et du coup, c'est pas beau. Et le truc le plus bizarre, c'est une pochette contenant du gel violet avec des choses dedans. Et en fait, il y a un trou. Un trou. Qui fait que ça peut rouler à l'infini. Ça roule comme ça. Voilà. Et à la base, c'est un peu bizarre. C'est fait pour le... Oui, le... secouer. J'arrive pas à l'attraper. C'est fait pour le secouer et sentir le gel qui nous glisse entre les doigts. Voilà. Il a coûté environ 5 euros. Et ça, c'est toute ma vie. Genre voilà. Et il y avait un autre truc à vous montrer que j'ai perdu. J'ai oublié. Donc oui, que j'ai perdu, c'est un ressort comme ça. J'ai oublié de préciser heureusement à la première partie du live. Ce e-spot magnifique, magnifique. Je l'ai commandé sur Amazon. Non, eBay. Il m'a été livré taille uni. Je vais savoir le prix. Je suis... C'est écrit en gros là. Moi, je cherche là-bas. 49,99€, donc 50€ à peu près. Et voilà. Donc, revenons à nos moutons. Vu qu'il n'y a pas assez de monde pour faire ce que je voulais faire, je vais vous faire visiter mon extérieur. Donc mon jardin. Donc je vais vous prendre avec moi. Bon, j'ai pas trop l'habitude. Parce qu'en fait, normalement, bon, deux secondes. Normalement, quand je fais des musicales, je fais comme ça. Et ça doit pas être très agréable. Si vous regardez sur un PC, donc on va retourner comme ça. On va aller montrer mon extérieur. Je ne ferai pas un room tour de la maison. De 1 parce que je suis petite. Hop. Et voilà. Je fais un live. Ah, pardon. C'est pour ça. Ouais, c'est bon. Donc, on va commencer ici. Donc, si vous voyez. J'aime trop la luminosité. Je vais vous mettre en caméra arrière. Par contre, je ferme la porte parce que. Voilà, je vais pas trop dire mon adresse parce que j'ai pas trop envie qu'il y ait tout le monde qui vienne chez moi. Oui, j'ai une porte comme ça. Je vous expliquerai tout. J'ai un chien. Au cas où, si vous vous doutez. Je pense que je l'ai déjà montré. Donc.
Le portail est là, donc moyen, hein, c'est vraiment le dehors. Attendez, voilà. Donc on arrive, on a cette vue. Bon là c'est le local poubelle, voilà. En fait c'est une énorme allée. Donc le premier jardin c'est ça, donc c'est des petits jardins. À droite c'est une terrasse, donc comme vous avez pu le voir il y a un hamac. Là-dessus c'est pour la plage, une tente qui est chouette, voilà. Donc des petits jardins comme ça avec plein de plantations à peu près mortes. Mon chien, regardez, chien. L'amour qu'elle est belle. Et oui bébé. Ouais voilà. Je pense qu'elle va me suivre pendant mon live. On fait un numéro, Chaya. Ok. Bon, un petit numéro par contre. Chaya. Monte. Allez. Doucement, la belle. C'est bien, l'amour. Ouais, je vais rien dire. Donc, tout ce qui en est pour mon premier jardin. Le deuxième jardin. Donc, bon, oui, bon, ça, c'est cassé, hein. Oui, j'ai mis des tongs. Et alors? Qui font 4 fois ma taille. Deuxième jardin, il y a une allée comme ça. Bon, toujours avec ma chienne. Ça fait des années que je ne suis plus allée. Enfin, genre, ça fait quelques mois bientôt que je ne suis plus allée là, mon jardin. Et en fait, j'ai peur de découvrir ce qu'il y a. Oh, avant, je pouvais passer ici, les gens. Avant, je pouvais vraiment passer. Genre, s'il y a des amis qui regardent cette vidéo ou ce live. Je pouvais passer, vous vous en souvenez les filles? Genre c'est des orties. Elle doit être par là ma tortue. Oui, j'ai perdu une tortue. Continuons. Et tout est ravagé. Bon, s'il y a des bouts de pain, c'est pour les oiseaux. C'est ma chienne. Si vous voyez des oiseaux morts, je m'excuse pour cette vidéo. Parce que j'ai un chat. Donc un poirier. On continue, on continue. Donc c'était toujours l'allée que je vous ai montré. Après, donc là c'est le deuxième petit jardin. Après, en dernière partie, le grand jardin. Bon, l'étendoir à linge, ça. On s'en fiche. Ma chienne qui est toute affolée. Donc bon, là il y a une chicha parce qu'il y a mes cousins qui sont là, bref. Ah oui, vu que on mange souvent ici le soir. On a mis plein de bougies. 3. Ouais, 3. Donc, c'est pas plein. Et voilà. Donc, j'ai un trampoline et une piscine. Des transats, etc. On va aller voir la piscine. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas bâchée. J'ai peur de voir le résultat. Vous allez voir avant moi. Bah, ça va, hein. Moi, je vais pas trop m'approcher parce que j'ai pas mis la coque pour aller dans l'eau. Ah, j'ai failli tomber. Juste vous soutenir, voilà. Elle est belle, je trouve. 18 000 litres. Voilà. Et après, on va passer à une des parties que je préfère. Oui, je suis toujours là, vous inquiétez pas. Le trampoline. Donc, on va aller dedans. Oula, je vais tomber. Oula là là là. C'est pas très évident. C'est pas grave. Donc voilà, c'est un vrai trampoline. Je saute, je saute. J'ai essayé de faire une petite figure. T'es sûr? Je sais pas si vous l'avez vu, je verrai au montage, hein. Y aura pas de montage. Voilà, ça fait 20 minutes que je suis en live. Bonjour à tous.
Vas-y, à tout. J'aime trop la qualité. Je vais faire plein de musicali. Bah, suivez-moi sur musicali, tout sera dans la prochaine vidéo. Regardez les descriptions de vidéos, s'il vous plaît. Nagia. Bon, là, j'ai 2-3 questions qui viennent de s'imposer. Je vais pas dire l'épisode parce que sinon, ça va être trop long. Ça m'étonne, il y a plein de plumes. Il y a un oiseau qui s'est fait déplumer ou... Je crois qu'il y a un nid. Donc, t'habites où? Dans la région PACA, province Alpes-Côte d'Azur. C'est un peu dur, c'est un peu lourd à tenir. Voilà. Quel âge tu as? Je vais avoir 11 ans. Voilà. Comment tu t'appelles? Bah, c'est dans mon pseudo. Anté.A, je m'appelle. Non, je m'appelle Antea. Mais en fait, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On va se poser pour lire 2-3 questions. Voilà. D'où t'es venue l'idée du pseudo Anté.A? On me le demande souvent, c'est parce que mes amis m'appellent Anté. Parce qu'il n'y a pas d'autre surnom à Antea. Et vu que je m'appelle Antea, bah. Anté.A. J'espère que ça va. Hein. Voilà, peux-tu nous faire un room tour de ton chez toi? Non, parce que de 1, c'est pas rangé. De 2, j'ai de la famille. Il y a des gens qui veulent pas passer sur YouTube. Et de 4, parce que j'ai vraiment la flemme. Vraiment, vraiment. Voilà. Je choisis les meilleures questions. Je regarde pas trop dans l'objectif parce que je regarde plutôt les questions. Voilà. As-tu un concept de vidéo qui va passer dans pas longtemps? Bah, j'ai un projet. J'ai pas trop de projets. J'ai peut-être invité une amie et on va acheter une tente. Et en fait, on va dormir dans une tente toute une nuit. Et je vais peut-être vous le vlogger. Ce sera dans mon jardin, donc juste là. Voilà. Quelle est ta série du moment? Dragon sur Netflix. Enfin, j'aime trop. J'ai aimé le Dragon 1, Dragon 2 et j'adore la série. Et le 20, on est le 21 et le 25 août, Tom. Il y a de la musique. Le 25 août, il y a ma série, il y a une nouvelle saison qui sort. Donc voilà, posez-moi toutes vos questions. C'est quoi ton snap? Regarde là. Non, par contre, le snap, je l'ai mis un peu en privé. Parce que pour l'instant, vu que je suis pas trop connue, ou quoi, vous voyez, enfin genre, j'ai pas envie d'être super connue non plus. Enfin genre. Voilà quoi. Mon snap, pour l'instant, je vais le garder privé. Parce que je monte ma tête et tout. Souvent, je monte mon adresse. Et voilà, en plus, je fais pas trop de stories très intéressantes. Moi aussi, je t'adore. Je réponds aux questions que... Ben, répond. J'ai peur que ça va couper. Ça coupe pas. J'ai un snap. Je vais pas vous dire de qui. Hein. J'ai trop faim. Qu'est-ce que tu manges? Des miettes de chips au vinaigre. Je me suis coupée. Ah non. Ouais. D'où viennent tous tes habits? Bah, ils viennent tous de Jennifer. Ça, il y a marqué être une princesse. Ok, être une princesse, c'est épuisant parce que oui, je suis une princesse. Le collier, il vient de chez Claire's. Je le partage avec ma meilleure amie. C'est un collier d'amitié Radku Yin et Yang. Si je dis Ying, elle va me tuer.
The pantalon. Focus, please. Voilà, donc c'est un... Non, c'est ma jambe. Hein. C'est un pantalon noir avec des trucs gris-blanc. En fait, je dois avoir ma tête pour que ça passe la focus. Voilà. Voilà, qui vient de chez Jennifer. Des tongs, parce que j'avais la flemme de mettre des vraies chaussures. Qui datent. Qui viennent de chez Carrefour, je crois. Ouais, voilà. Oh, j'ai trop faim. C'est une plainte. Voilà, likez à fond. Si vous êtes en... La chaise, elle fait 4 fois moins. J'ai pris une très très grande chaise. Mesdames et messieurs. Non, en vrai, j'ai deux petites. Ouais, voilà, attendez, j'ai trop faim. Je suis désolée, mais je crois que je vais manger. Je devrais pas manger, mais non, voilà. Il y a beaucoup de trucs. De... Oiseau, pourquoi je suis habillée en hiver? Je sais pas. J'ai une vidéo bientôt prévue, ça va être ma morning. C'est pas trop une morning, c'est ma routine en fait. Je vais faire une morning routine, une night routine. Oh, j'ai les bouchées, c'est chiant. Une morning du jour en fait. Non, une routine du jour. Genre le matin, le midi et le soir. Voilà. Et bah, je pense que ça peut être cool à filmer. Et je filmerai peut-être avec une amie. Oui, prochainement, je ferai des vidéos avec Tess, que vous avez plusieurs fois. Et tout. Pardon. Si je fais ça, c'est parce qu'il y a de la musique. Ouais, j'ai faim. J'attends juste que ma mère sorte de la cuisine pour pouvoir bouffer. Ah, ça va, c'est mon père. Eh, ma tulle. Mes amis, moi, mes amis. Oula, j'ai failli faire tomber le truc. Have a dream. J'ai failli tomber. Voilà. C'est pas droit quoi vous dire. Voilà. Il y avait le micro qui s'était désactivé. Sorry. J'ai pris une tartine de pain. C'est bon, mais je sais pas quoi c'est. Je vais pas à chaque fois vous faire. Alors, c'est du pain qui vient de chez Carrefour à côté. 2,90€, voilà, en plus c'est vrai. Désolée si vous trouvez ça mal poli que je mange. Mais on est comme une famille en fait. Genre, on est comme des potes entre potes. Quand vous mangez, l'autre va pas dire eh, c'est mal poli de manger. Non ? Bah, entre nous non plus, non ? Mais je sais que je pourrais faire à une autre minute. Quel est ton film préféré? Bah en fait c'est des films dessins animés genre Chickmans, Le Grinch, Charlie et la chocolaterie. Des trucs qu'on regarde quand on est gosse quoi. Et voilà. Tu veux passer sur YouTube? Alors tu viens pas.
je parlais à mon frère. Ma ville. Chaya. La grosse ca... Enfin. Je trouve que c'est assez cool. Repassons par là-bas. Voilà. Mon musicali, c'est le nom de ma chaîne, hanté.a. C'est tout ce que je peux vous passer, je pense. Mais il y a vraiment des plumes partout. Ouais. Oh, une chaya encore. Alex, t'as éteint le truc. Ok. T'es méchant. Ouais. Je parle à mon frère. Méchant. Ouais. Espèce de Grinch. Pardon. Excusez-moi. Donc là, je suis dans mon truc. Voilà. Donc, posez-moi toutes vos questions. Si vous avez envie ou non, vous me les poserez. As-tu un chat? Oui, j'ai plein d'animaux de compagnie. Donc un chien qui est très très imposant. Attention, faites gaffe. Hein. Chaya, devant la caméra. C'est bien amour. Chaya. Voilà. Elle s'appelle Chaya. Elle va avoir 3 ans déjà. Pourquoi tu me lèches ma puce? Mais oui, mon amour. On l'a eu à 1 an. Elle a atteint sa taille adulte, je pense, où elle gagnera 2 cm. Désolée si je me balance, mon amour, c'est pour mieux te montrer. Voilà. Elle joue très bien, regarde. Voilà, elle court très très vite parce que c'est un lévrier. Tiens. Attendez. Hein. Toi aussi, t'es moche. Chaya, caillou, toi regardez-moi, Chaya, mais t'as à manger, c'est pour ça. Psst, je te cause, Chaya. Chaya. Bon, elle veut pas. Hein. Namour, je peux te montrer, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va, c'est un live sur YouTube qui va être diffusé. S'il te plaît. On se verra 2 secondes sur 40 minutes. Donc voilà. J'ai un chat. Que... Il est où, Loki? Comment? Oh. Il est où? Alors, on va voir s'il y a mon chat. Oui, c'est lui, l'amour. Je ne sais pas si vous pouvez voir, donc je ne vais pas trop m'approcher parce que. Il a un peu envie d'être tout seul. Attends. Ah, c'est bien, je vais m'éloigner. Je vais m'éloigner. Appelle-le, moi, je ne sais pas l'appeler. Bah, je vais me réapprocher pour vous montrer. Il s'appelle Lucky. Il va avoir 2 ans, je crois. C'est ça? 3? Ok. Il va avoir 3 ans. Namour, il s'est levé. Il a la queue cassée. Il est tout pas bien parce qu'il s'est pas encore battu, mais bon. Il se bat tout le temps avec un autre matou. Coucou, Namour. Il est tout câlin. Namour. Comment? Bah ouais. En vrai, il est super sauvage. Genre, on l'a trouvé dans la rue. Et on l'a pris.
Voilà, donc j'ai aussi donc j'ai un chien, un chat, une tortue et un poisson. Donc la tortue, ça va être impossible de vous la montrer. Donc le poisson, on l'appelle comment le poisson? Il a toujours pas de nom. Voilà, Bubule. On a des grands. Pardon. Donc il s'appelle Bubule. Il est tout petit. Alors. Oui, j'arrive. Genre, il est c'est un grand-père poisson. Merci beaucoup, ma question avec Audrey Allos pour. C'est mieux. C'est un grand-père poisson. Ça. Pour mieux vous le montrer. Voilà. C'est un combattant, c'est pour ça qu'il est toujours tout seul. Ceux qui ne connaissent pas les combattants, c'est que si on met un autre poisson avec lui, il le mange. J'ai peur que mon téléphone prenne l'eau. Il fait sa petite starlette. Bref, voilà. On va ressortir. Attention maman. Oui, Chaya, je t'ouvre. Et la tortue, bah malheureusement, elle est dehors. Elle s'appelle Carapace. Attention, non, Chaya, tu sors pas. Ou Choupette, si vous préférez. Ouais, elle tombe dans l'œil. Viens dessus. Je vais pas sortir Chaya parce qu'elle va lui sauter dessus. Bien. J'aime trop ce que qualité. Par contre, je sais pas si... Ah, ça va, j'ai aussi le pourcentage de batterie. Il a quoi dans l'œil? Il s'est rebattu. Ah, c'est pas le moment de l'embêter. Ah, donc, on va sortir Chaya. Donc, c'est tout pour mes animaux de compagnie. Chaya, non. Pas trop quoi en dire parce que vous me posez pas des questions très pertinentes. Vous me posez toujours la même question, où t'habites? Je vous ne le dirai pas. Que puis-je vous dire d'autre sur Maï? Maï qui est pas si intéressante d'ailleurs. On a vu l'arrière-train de mon frère. Non, je rigole. Je rigole, essayez pas de le chercher. J'aime pas les poires. Quel est ton fruit préféré? Bah, j'ai pas un fruit préféré à part la fraise, comme tout le monde, je pense. J'étais comme ça, parce que je suis en train de déterrer une tourlinière, ou de l'enterrer, je sais pas. Moi aussi je t'adore. Ma vie. J'allais vous dire un truc important. Je crois que ça va être la fin de ce live, hein. Bah, vous me posez pas cette question. Je sais même pas si je vais pouvoir le reposter en fait. Parce que le truc c'est que de 1 il est super long. Et de deux, bah, je sais pas si ça va vous intéresser profondément. On va retourner dans ma chambre. Vous savez quoi. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre de pause. Ferme pas, merci. L'amour, qu'il est beau ce chat. Voilà. Tu es disparue. Disparue. Il n'y a plus de luminosité.
soleil s'est couché, du coup on va rajouter une petite lumière artificielle. Voilà, voilà. Vous étiez plus nombreux au début, hein. Je sais pas trop quoi vous dire en fait. À part que... c'est la fin du live. Si le live vous a plu, bah, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner et faire plein d'autres choses sous mes vidéos. Parce qu'en fait, le truc, je m'arrête là parce qu'il va durer une heure. Et voilà, je vais faire deux lives. Venez, 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 venez. Je fais d'énormes bisous et portez-vous bien. Et à tout à l'heure. Non, bah à demain, je crois.